tout. Je savais pas que c'était des terroristes. Je le saurais peut-être jamais. Est-ce que t'es debout, toi? Surveillant! Surveillant! Bon, tant que le surveillant vient pas ouvrir la porte, je suis en stream. Je resterai peut-être toujours en stream, je ne savais pas que c'était des terroristes. Ravus nous a pas dit. C'est normal, il est pas au courant. Je vais l'appeler tout de suite. Je vais lui dire. Ramène-toi, tu es prisonnier. Surveillant! Il a pas le choix. Il l'aura peut-être jamais. T'abuses, j'ai un entretien demain à la morgue. À la morgue? Un entretien? Bizarre. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Après, comme chaque 90, faut pas arriver en retard. Parce que je vois qu'on est 90. Je vous aime vraiment bien, mais si j'ai pour être 90, c'est dehors. Je vais appeler le surveillant. Surveillant! Il va venir, il va m'ouvrir la porte et. Comas! Non, mais en vrai, le cosplay, il est magnifique, non? Un vrai détenu dans le couloir de la mort, Comas. Personne va le libérer, les gars. Y a pas le père de Neymar qui va le libérer, y aura peut-être personne. Pourquoi tu veux autant parler à Link? Parce que c'est mon frère. Est-ce que je suis fatigué? C'est trop bizarre, les gars. J'ai dormi 18 heures d'affilée. Je ne sais pas. Je crois que j'ai dormi, mais genre pendant 2 jours. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis le dernier stream. Mais après, plus tard, j'ai aussi autre chose à faire avec la relique. Je vais lui faire un peu découvrir du rap français ce soir. Vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Parce que je dois voter pour les flammes et je propose en fait qu'on vote ensemble. Il le sait peut-être pas encore. Il le saura peut-être jamais. Appelez votre streamer préféré. C'est plus moi. Votre streamer préféré. Nous allons voter pour les flammes. Et pour voter pour les flammes, on va appeler l'ancêtre. Comme ça, on va lui faire découvrir un peu le rap français, voir ce qu'il en pense. Voir tout ce qu'il en pense, le rap français, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Bon, il rejoindra l'appel quand il sera. Ah, t'es debout toi? Debout, t'as dit. T'es debout. Comment il va, mon gros canard? Magnifique, mon magnifique. Canard, c'est cette chemise de fou là. On va magnifique. Parler un petit peu de rap français, oui. Si ça te dérange pas. On va parler un petit c'est-à-dire, peu. C'est-à-dire, je vais avec le rap. On va parler un peu de rap français, toi et moi, pour voir ta culture rap. Bah, je connais rien en rap. Bah, justement, tu vas découvrir. Tu vas être une machine de guerre. Comment ça, je vais découvrir? Alors, regarde, ce que tu vas faire. Que tu vas me faire écouter des sons ou quoi? Voilà, je vais te faire écouter des sons, je vais te faire regarder des clips et. Tu vas me dire ce que t'en penses, ok? Mais des clips, il faut que je les regarde sur ton live. Alors, regarde, va sur Discord. Normalement, j'ai préparé mon stream avant, vraiment pour te rendre hommage. Normalement, tu vas te régaler. Regarde, va sur Discord. Ah, d'accord, ok, bah, je sais pas. Et dis-moi ce que tu vois. Ça cherche. Ah ouais, magnifique. Tu connais PNL ou pas? Ouais, de nom, quoi. Mais je connais pas les titres. Mais tu connais de nom, tu vois à quoi il ressemble, oui. Et tout. Tu sais, c'est qui, PNL? Bah, c'est un barbu, il y a un barbu là-dedans. Ah ouais, non, c'est Serge, ça c'est autre chose. Bah en fait, PNL c'est des mecs qui se sont rencontrés en prison, ouais. Parce qu'ils ont pris une grosse peine de prison quand ils étaient jeunes. C'était des co-détenus. Bah ils sont restés liés même après la prison. Ils ont fait beaucoup d'années de prison, genre ils ont fait genre 15-18 ans de prison. Et dès qu'ils sont sortis, ah ouais, ils ont rappé leur vécu. Et ça a pété comme ça. C'est des Français? C'est des Français. Je vais te montrer un clip d'eux, tu me dis ce que t'en penses, ok? Il y a de la fouliasse, hein. Ah non, pas dans celui-là, mais ça va pas tarder. Ça m'inquiète. Y a pas de fouliasse, ils restent qu'entre eux. Ils sont QLF, que la famille. Tu vas juste analyser le clip, tu analyses le clip, tu te cambres, Ravus, tu te cambres. Tu analyses le clip, tu écoutes la musique et tu me dis ce que t'en penses. Ils sont frais, ils ont jamais fait de prison. Bah les couilles de l'Himalaya, bah les couilles, je vise plus au sommet. Prends-moi en arrière, j'ai pas fait attention. Bah si je te montre un truc, c'est pour que tu regardes, bordel. Mais pas trop. Mais je regarde, je fais que ça, c'est le position, c'est pas en France. C'est pas en France, ça? Bah attends, je vois pas. Attends, ça arrive. Ils sont frères, ok. Ils sont pas frères, ils sont co-détenus, je t'ai dit. Là, je suis pas sûr que ce soit Montauban quand même. Là, Montauban, j'ai un doute. Non, c'est pas Montauban, ils sont à Paris, quoi. Ouais. Bah, si pour toi, c'est normal d'être sur le toit de la Tour Eiffel, pourquoi pas? Si tu fais ça tous les 4 matins. Ouais, ça va, ils sont qu'à Paris, attends, en vrai. Reconnu, ils sont qu'à Paris, en vrai. Laisse-moi découvrir. Voilà, je vais te dire, ils sont sur la Tour Eiffel, c'est pas normal. Voilà, c'est normal. Bah, les couilles de l'Himalaya. Bah, les couilles, je vise plus sommet. Mon cœur fait oulalala. Crime passionnel que je commets. Si, je m'écoute, sans corse mélanger bougnou. Oula. Non, mais parce que j'ai oublié qu'ils disaient ça, mais c'est pas grave en soi. Ils ont le droit en vrai. C'est une chanson, ils sont normales. Je m'endors sous doré sous. Elle veut la bise avec je la baise. Je connais la route, connais l'adresse. Je t'encule. Comment tu vas, mon gros canard? T'es en pleine forme, t'es une machine, hein. T'es vraiment une machine de guerre, tu t'arrêtes jamais. Bah si, quand même, je prends les jours de repos. Franchement, très peu, hein, très peu ami. Là, tu veux plus écouter la musique, je vais t'en faire quoi? Voiture mal garée, puis je retire ton bah pour que tu me donnes ton avis sur PNL. Non, mais faut un truc un peu plus inspirant. Un truc un peu plus inspirant, j'ai ça pour toi, hein. Tu sais, le rap français regorge de choses inspirantes. Mais ça, c'est après, c'est vraiment plus tard. Il faut que tu regardes mon écran, parce qu'en fait, on va voter pour l'album de l'année, et je vais te faire écouter des sons, et tu me dis... D'accord. Tu me dis, selon toi, c'est lesquels les meilleurs sons, ok, ma biche? D'accord, ok, un avis complètement... un mec qui connaît rien, quoi. Voilà. Vas-y. Bah en vrai, t'as l'oreille musicale, hein. Normalement, c'est pas problématique. Tu vois pas les flammes? Vois pas les flammes?
Ah non, je vois rien. Ah bon ? Les flammes où ça ? Il y a pas de flammes. Là, je vois pas. Mais il y a marqué un truc. C'était écrit regardez le stream. Ah, c'est ça ? Ah, magnifique. T'es en plein dedans. Flamme. Magnifique, mon canard. Magnifique. En mode flamme. C'est simple. Cette année, moi, j'ai pas écouté de beaucoup de rap français. Un peu comme toi. Mais on va devoir voter selon ce qu'on entend. On a l'oreille musicale. On est normal. Donc, je pense qu'on peut réussir à émettre un bel avis. Allez, c'est parti. Votons. Vas-y, ma poule. Dis-moi juste. C'est sur quoi ? C'est sur Spotify. Magnifique. C'est en collaboration avec Spotify. Ah, on commence directement par Jules. Tu connais Jules ? Je connais bien Jules. Est-ce que tu connais Ouais Renoir? Non, je connais pas. Ouais Renoir, tu connais pas? Inconnu au bataillon. Bon, on va écouter les deux, tu me dis ce que t'en penses. Ils ont pas vu leur père, je vais me tailler mes hot parts. Je fais du travail hors pair, j'en ai stressé même bon. En retard. Jules, t'es normal, tu connais en vrai. Franchement, moyen. Ouais, mais je connais, mais là, celle-là était moyenne. Elle était moyenne. Celle-là était moyenne. Bah, moi, je suis d'accord avec toi, t'as l'oreille musicale ouais. Parce que le dernier album de Jules est pas fou, les mecs. Alors, ça, c'est Ouais Renoir. Il est aigri, un peu comme toi, des fois. Le démarrage est bon. L'instrumental est bonne. L'instrumental est bonne, c'est ça. On met pas de monde pour l'heure, pause elles quoi. Sont pas à l'heure. Ici on du Japon et j'ai vu ces chiens. Tu préfères celle-là? Tu préfères celle-là? Oui. Pourquoi t'as quitté là? Non, parce que en fait je suis en train de réfléchir que tu pouvais me poser un freestyle. Tu peux ou pas? Un freestyle, je peux pas. Un freestyle comme ça, faut que j'écrive mes paroles. Viens, on écrit un texte en live en même temps. Viens, on écrit un texte en live. J'ai aucune idée, j'ai pas d'inspiration. Je me raconte avec ton freestyle, là, t'es malade ou quoi? Goûte un petit verre, sois normal. C'est ça. Non, justement, arrête, c'est fini, ça me fera passer pour un alcoolique dans tout Twitch. C'est bon. C'est faux. Je vais me le faire, ça me l'était. Jossman ou Tiff? Alors, même moi, je connais pas, donc je sais pas si tu vas connaître. Jossman, c'est un son que toutes les gonzesses elles écoutent parce que ça parle que de cul. Elles adorent ça. On va écouter les paroles vite fait. Je connais pas du tout, un coup de bataille. C'est parti. On va accélérer un peu pour entendre. Hein. Enlève son lipstick, je lui mets sur du Netflix. J'ai des habits chics, la méga celia de fric qui met le. On dirait. Non, je voulais pas choisir. Pourquoi t'as changé là? Putain, j'ai pas fait exprès. On aurait dit l'autre là. On aurait dit quoi? Comment il s'appelle celui qui est tout le temps défoncé? Le rappeur avant. Serge Gainsbourg? Non, mais non. Le rappeur. Doc Gynéco. Doc Gynéco. Putain, mais attends, j'ai fait de la merde. Attends, je peux remettre, je pense. T'as vu dans la première phrase qu'il a dit ou j'ai pas écouté. Il a dit je lui mets sur du Netflix. Ah ouais, dur. Il est normal. Tu l'as déjà mis sur du Netflix, toi? Attends, je remets. Hein. Oh, ça m'est arrivé il y a fort longtemps. Je sais pas si Netflix existait. C'est pas. Il y avait peut-être même pas de site de streaming à l'époque. Je voulais rien, c'était la fin. Je voulais faire partie des ceux qui coûtent. Je ne voyais pas l'ombre d'un doute. Je voulais la belle ville et bijoux qui coûtent. Bon, Jossman, t'as entendu, maintenant on écoute Tiff vite fait parce que je connais pas Tiff. Vas-y. Je connaissais une meuf qui s'appelait Tiffany, mais rien à voir. T'as pas match avec une Tiffany il y a quelques jours, elle m'a envoyé un message. Moi? Ah non, c'est franchement faux. Coupage de prod à l'opinel, digne d'Alger des quartiers populaires. Plus de temps, c'est pas grave, plus de fierté qu'on t'a eu. Moi je préfère celle-là. Après, dis ce que t'aimes toi aussi, sois normal, hein, moi je m'en branle. Hein. Mais je ne connais pas Tiff, c'est la première fois que j'entends. Attends, je laisse un peu, je me fais à l'oreille. Bah, c'est quand même normal. J'oublie qu'elle débite des inepties. Faut que je me diversifie, que maman soit. Les deux sont bien. Non, franchement, j'aime bien. Très très bien. Franchement pas mal, on prend Tiff. C'est gaze, c'est pas du tout gaze. C'est pas du tout gaze. Bah non, c'est pas gaze. Dealer a vu, c'est pas gaze, c'est excellent. Nino ou Hamza? Alors ça c'est compliqué parce que Nino sauve énormément de rendez-vous galants. Tu vois, quand tu vas chercher une fougnasse, d'accord. Il faut que t'écoutes ça. Ouais. Ah, moi j'écoute pas ça. Moi. Mais si, bah, c'est comme ça que le rendez-vous va conclure. Après t'as pas besoin de mes conseils, je pense. Ah mais c'est une jeune. Non, une jeune. Même c'est les vieilles. Jeune. Même les vieilles, elles aiment ça. Ah ouais? Tu trembles dans la vieille, toi? Non, non. Tu vas dire dans la verre. Je vais vivre près des nuages, presque avec du 10 ans d'âge. Elle veut ci, elle veut ça, elle veut moi, j'ai pas le temps de te demander adieu. Le mec à l'époque, comme il chantait, le rebeu. Tellement je t'aime, je pense à toi. Frère, c'est un peu Faudel, la voix, non? Il est excellent, Faudel, en vrai. On se mettrait pas un peu de Faudel, baby? En mode Faudel. C'est bien, t'as des bonnes références. Faudel, c'était mon chanteur préféré quand j'étais plus jeune. En fait, moi, je préfère Nino, son dernier album. Mais j'aime beaucoup Hamza, donc ça me fait chier, en fait, d'avoir ça maintenant. Bah, tu bénis. C'est normal. Rembourse en retard, hein. Y'avait des embrouilles et quelques frayeurs. Parce que nos ennemis sont des pétards. Comment c'est calme? Toi, les deux sont bien, ouais. Le problème, les gars, c'est que là, ils mettent qu'un son. Donc, un son contre un son, c'est. Voilà. Ouais, c'est vrai. Faut prendre l'album en entier. Moi, j'ai écouté les deux. C'est un son tiré de l'album. Moi, je trouve que. Le fin de l'album. Je trouve que les gens ont beaucoup critiqué l'album de Nino, mais franchement, moi, je l'écoute de ouf, le dernier album de Nino, je le trouve bien. Donc, moi, je vais prendre Nino, mais moi, c'est après, c'est mon avis. Tu connais Luigi ou pas? Absolument pas. Moi non plus. En mode Luigi. On va découvrir. Ah, y'a quelqu'un qui monte chez toi là, t'entends? Non, y'a personne, commence pas à faire le coup. Il a tourné la tête. C'est frère Mario. Ah bah, si la musique pouvait commencer, ce serait bien, mais ça c'est après. Ah ouais, piano. C'est beau le piano. Il jouait du piano debout. C'est très beau. Et hein, pour magnifique. Moi, ça veut dire beaucoup. Ah, je me souviens de ce visage. Ah, il me saoule. D'enfant à c'est mou. C'est extrêmement mou. Franchement, nul. Ça, 0-2. Ça regarde, ça va être beaucoup moins mou. Regarde, écoute à ça. À mon avis, je sens pas du tout. Écoute, gazo, ça va être beaucoup moins mou. Chocolat.
C'est bon pour l'instant. 34, 24, comme chaque éloigné les copies. Allez hop, on tuque. C'est pas mal ça. Avec c'est pas mal. Fiche de paye, que je m'éloigne, toutes ces groupies. Pour la solide, on s'oublie. Oui. Fuck les groupies qui sont là que pour tes subs. Hein. Franchement, on prend la Melody Gang, je connais pas Luigi, ouais. Désolé. Fuck les groupies, Ravus. Bah, bien sûr. C'est toi qui l'as dit l'autre fois. Y'a pas de michetonneuse ici, ça existe pas. La Fève ou Aya Nakamura? Moi j'aime beaucoup Aya Nakamura. Aya Nakamura va danser pour la France. Pas danser, chanter, non pour la. Si tu regardes un peu BFM tous les jours, je suis pas sûr que ça se fasse. Ah bon? Je sais pas, je regarde pas. Ah, je suis pas certain. Pourquoi pas être prise? On sait pas encore. Bah, de vrai, il devrait nous inviter nous pour la cérémonie. Nous, on mettrait une ambiance. On est normal. En vrai de vrai. En vrai de vrai, ça serait. En vrai, Johnny Hallyday sera encore en vie, ça serait Johnny qui chante joli gentiment. Ah, si Johnny Hallyday est en. Ouais, enfin bon. Johnny Hallyday qui se repose un peu. La dernière fois qu'il a fait quelque chose pour la France, c'était pour l'équipe de France. On est sortis. Oui. On est les bleus. On est tous ensemble. C'est le grand jeu. La France est debout. Alors, la fève. Est-ce que t'as eu la fève cette année? Bah la galette non. On part en couille, t'es perdu, on est deux, les temps changent. Il t'aide, ils attendent quelque chose en échange. Les lunettes sont inquiétantes. C'est gentil. J'ai fait le tour de la terre, c'est comme si tous les chemins m'avaient fait. Vraiment très cool. Daniel ou Kamoura? Yana Kamoura. Tu peux changer de son de l'album. Ah, on peut changer. Ah, mais ça c'est bien. Ah, mais excellent, merci Spotify. Ah oui, c'est excellent. Ok, je le saurai pour les prochains. On prend la fève ou on soutient Yana Kamoura? J'ai pas entendu Yana Kamoura. J'ai pas entendu la musique. Attends, je vais te faire écouter ma préférée de l'album, ok? Écoute vraiment Yana Kamoura? Bah oui, regarde celle-là. Écoute bien les paroles, hein, écoute bien. La bonne chanteuse de Yana Kamoura, hein? Toi tu veux tout. C'est pour les gonzesses, c'est Yana Kamoura. Attends, les gonzesses, c'est Yana Kamoura. Attends le refrain. C'est super. Attends le refrain. Amuse, ça parle de toi. Il le câlin partout. Veux-tu tout partout. Mais c'était tempérament de ça. Elle avait fait une chanson comme ça, non? Entre nous, c'est trop d'art. Parce que je suis ça. Thierry, je veux devenir mon Thierry. Hey, Thierry. Mais tu sais que c'est une dinguerie quand même qu'elle m'ait fait une dédicace dans l'album. Parce qu'elle a vraiment sorti le refrain en référence à Thierry. Ah ouais? Attends, incroyable. Bah, tu la connais pour de vrai? Bah, je la connais pas. Enfin, en fait, je la connais parce que j'ai eu une petite aventure avec elle il y a quelques années. Oui, bien sûr, prends-moi pour un con. Attends, tu me crois pas? Évidemment. Tu me crois pas? Ok. Va sur mon stream vite fait, s'il te plaît. T'as niqué Anakin Amoura. Va sur mon stream, s'il te plaît. Non, c'était que. C'était respectueux, il y avait pas de. Bah, quoi, respectueux? C'est respectueux quand on nique. Qu'est-ce que tu me racontes? Alors. T'es sûr que j'ai pas... Oui. Va sur mon stream, je te montre la preuve. Twitch, hop, magnifique. Polétus ! Ce sera le pire. Ouais, bah évidemment. Oui. Bon, franchement, t'es mieux que lui, je te le dis gentiment. Mais c'est moi. Moi, il te ressemble, mais t'es mieux que lui. Mais c'est moi. Largement. C'est voilà, moi. Par contre, il est pas mal le mec. Enfin, et le mec de profil. Tu l'as vu le mec? Enfin. Ça c'est Niska, ça n'a rien à c'est voir. Pas mal. C'était l'autre photo qui était pas terrible. Elle est en couple, elle? Pourquoi ça t'intéresse? Non, pas du tout. On choisit la fève du coup? Franchement, elle est pas mal. Les ouais. Deux sont bien. Après, c'est toi qui vote. C'est ton vote à toi. Après. Tiens, écoute ce son, oui. Rabus. Ça va te donner envie d'aller à la salle là. Tu vas écouter ça quand tu vas faire du vélo, tu vas voir. Les paquets, les adresses, les clients. On m'attrape, je suis grillé, mais je nie. Trop t'écoutes ça quand tu vas à la salle? Ouais, franchement, je pense que moi j'aurais dit la fève. Mais arrête un peu. Moi perso, je préfère Nino. Après, c'est mon. En fait, c'est pas que je préfère Nino, c'est que je connais pas la fève. Carré ou Nino? Bah, tu vas mettre Nino du coup, carré. Bah, en vrai, Werenoise, c'est un peu la révélation de l'année. Hein. C'est un peu la révélation de l'année. En mode révélation. En fait, moi, Werenoise, j'ai jamais écouté. Parce que les seules fois où j'ai entendu du Werenoise, c'était en interview et il était aigri, tu vois. Genre, il voulait pas répondre aux questions et tout. C'est des pieds qui sont en l'air, là, attends. Quel pied? C'est des pieds. Bah tu vois pas, hein, ah, il regarde oui. En l'air, carré. Ah oui, ok. Il en bouge, posture. C'est pas les pieds qui me parlent le plus. Il parle de Ketama, ils arrivent même pour la chercher en Île-de-France. Là, tu reconnais c'est qui chante? C'est pas Werenoise là, c'est qui? Attends, c'est du traficoté leur voix aussi, t'es marrant. Bah, c'est Booba. Il parle de Ketama, ils arrivent même pour la chercher en Île-de-France. Pas Booba, c'est pas Booba. Ah, c'est Nignon. Bon moi les gars je prends Nino parce que Werenoise je n'ai jamais vraiment écouté. Mais je vais m'y mettre. Alors Gazo et Tiakola les gars ils sont forts. Mais vous allez m'insulter, moi j'avoue j'écoute pas trop Tiakola. Et je vous dis la vérité les gars, cette année j'avoue que j'écoute pas grand chose que j'ai écouté cette année hein. Mais les gars c'est sourd, je suis pas sourd. Je ne peux pas voter pour un album que j'ai pas écouté les gars, c'est le problème dans ces nouveaux rappeurs. Tu veux que je te dise? C'est qu'ils sont tous trapicotés avec des bordels, des mégaphones là, pas des mégaphones, des... Comment ça s'appelle les mecs là, des trucs des Jules. Des vocodeurs, mais bon. Des autotunes. Okay. Alors qu'à l'époque, par exemple, Ayam, ils avaient pas d'autotune. Nick ta mère, ils avaient pas d'autotune. Ils chantaient comme ça, normal. La voix. Je suis d'accord. Voilà. Ça, c'était avec des vrais chanteurs. Mais tu vas me dire que ça, c'est pas un vrai chanteur. Regarde. Même Booba, il chante bien, mais c'est autotuné à mort. Il est obligé de s'adapter. Booba, il a ramené l'autotune en France. Oui. Et ça marche, les jeunes, ils adorent ça. Ah, mais... d'accord, c'est lui qui a commencé. C'est pas forcément lui qui a commencé, mais c'est lui qui a démocratisé un peu ça, de plus en plus. Oh, mais Booba,
C'est lui la poutre. Tu vas me dire si t'aimes bien ce son, ok? Dire que ce mec à mon âge quand même, vraiment relativement inquiétant. Là c'est inquiétant, quand on compare les deux physiques c'est relativement inquiétant. Ouais. Mais après t'as un physique, t'as quand même un physique. Ouais mais t'as vu la musculature du mec. Ouais la casquette à snacou, en détente. Il l'a pas sa snacou, ça l'a fait. T'as vu il l'a. Ok. Il y a un fion. Tu vas lui mettre doucement au calme. Franchement, la meilleure de Booba, c'est Mona Lisa. Je te le dis gentiment. Là, j'aime bien. Là, on discute. Mais là, c'est vraiment du rap. Écoute les paroles. Écoute la parole qui arrive. Tu me dis ce que t'en penses. On analyse la parole après. Ah ouais, dur. Je vais lui mettre doucement dans sa schneck. Un truc comme ça. Bang bang dans sa. Bah, il a raison en vrai. Bang bang dans sa schneckzer. Ça, ah, d'y aller doucement. Ça, c'est le rap français. Étincelle dans la rondelle. Mais c'est ça que je regrette, c'est un peu trop. C'est un peu trop hard. En fait, le truc qu'il y a, c'est que le rap maintenant, c'est devenu trop violent. Tu vois ce que je veux dire? Les paroles, des fois, c'est trop trop cru. Des fois, que le rap avant n'était pas pareil. Ah, le rap d'avant, il racontait plus de choses. Ils étaient plus conscients. Après, j'aimerais bien entendre chanter Booba sans l'autotune. Pour voir ce que ça donne. Ça va pas du tout être effrayant. Tu vas voir. Tu vas aller à la salle demain, tu vas mettre du Booba, ok? Ah, il chante bien. En vrai, peut-être il a une vraie voix, hein, les gars. Alors attends. Je vais te faire écouter ça. Par contre, pourquoi tu mets ton YouTube en blanc? Pourquoi tu le mets pas en nocturne? En nocturne? C'est quand même mieux, soit normal. Elle était jeune, là, ça se voit à sa tête. On y pousse un peu de traverse, skate, BMX, Punic, la RATP, tout ça rythmé dans. Bah non, on connaît pas trop en vrai. Franchement, c'est mieux. Je trouve que c'est mieux ça que ce qu'il fait maintenant. Là, ça, je l'écoute. L'autre, je l'écoute pas. Ouais, mais il a été obligé d'évoluer. Il a été obligé d'évoluer avec son temps. Oui, oui, mais il l'a dit. De toute façon, il l'a dit. J'ai déjà vu des interviews de Booba. Il dit qu'en gros, ce qui marche, il a raison. En même temps, il est pas. On va pas lui apprendre à Booba. Normal, quoi. Il voit ce qui marche, il fait plein d'oseilles, il a raison. Donc là, c'est mieux ça à écouter. En tout cas, belle avis. Belle avis, j'aime bien. Malheureusement, Tiakola, j'écoute pas trop, mais je devrais en vrai, parce que Tiakola, c'est vrai que c'est ambiance, on peut pas lui enlever ça. Mais vous les personnes qui ont écouté le dernier projet de Gazo et Tiakola, vous avez bien aimé ou pas? Je voyais du bon, je voyais du mauvais un peu, mais après c'est Twitter, ça veut rien dire. Off, oui, moyen. Ouais, bon, en fait c'est un chat Twitch quoi, tout le monde a des avis qui divergent. L'album d'Hamza par contre, moi je préfère Hamza. Ah ouais. Attends, je vais te faire écouter un son, tu me dis si t'aimes bien, ok? Ça, t'écoutes ça avec une gonzesse? Un son? Ouais. Elle est conquise directement. Ça dépend de la gonzesse. Si, tout type d'âge. Mon bébé faut la santé, sans finir à la santé. Éviter l'étranger, il pleut des balles dehors. Ça c'est pas mal, c'est détente, c'est doux. Tu pourrais finir trempé. C'est pas forcément du rap pur ça. Non, c'est pas du rap pur non. C'est plus du rap commercial un peu. Si c'est objectif, tu peux pas voter pour lui parce que lui, ça c'est pas du rap. Pas pour moi, hein. Pour moi, c'est rap R&B, ça se mélange un peu, non? Mais après, tu votes pour quoi? Pour l'album rap ou l'album rap R&B? Je sais pas vraiment pourquoi je vote, hein, mais ça c'est après. Que t'as envie, ma biche, c'est ton vote. Plus, en vrai. Non, mais c'est bien, on a ton avis. Et en plus, tu tapes dans le mille parce que c'est ça. C'est pas vraiment du rap, Hamza. C'est plus du rap que tout le monde peut écouter, entre guillemets, tu vois. D'accord. Ah, t'es beau dans ta chemise là. Toi, tu m'as. T'as vu, je ça vous bordel. Le chien de guerre dans un magasin de farce et attrape. Alors Tiff ou Werenoi? Je pense que Werenoi était très très écouté cette année. Tiff, je pense que c'est un peu un sous-côté de ce que je vois dans le chat depuis tout à l'heure. Mais il y a eu que très peu d'albums cette année en fait, parce que c'est toujours les mêmes qui reviennent. Carré ou Werenoi? Ouais, du coup, attention, t'as mis l'autre, du coup l'autre qui est pas forcément la bonne rap, il va finir premier. Ouais, c'est vrai. Je le sens. C'est que t'as pas tort. Ok, calcul des votes en cours. Attention, calcul des votes en cours. Je sens que ça va être l'autre. Ah bah non, carré, sincèrement. Carré dans la... Premier, ah bah carré, c'est Nino. C'est Nino, moi, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le projet de Nino. Je vous jure, écoutez-le plusieurs fois, il est pas du tout à jeter le projet. Les gens qui me disent, ouais, le dernier album de Nino, il est nul, vous mentez. Ces hommes mentent. Alors, catégorie suivante. Comment on fait le truc? On en fait quelques-unes et après on arrête. Vote. Ah oui, soit normal, t'as recommencé. Spotify de l'album de l'année. Ah oui, ok, en fait non, j'ai compris. En fait, tu vois, quand tu me disais, ouais, ça c'est pas durable, t'avais raison un peu. Ah, tu vois, regarde. Mais oui, c'est des catégories. On va faire le morceau de l'année. Voilà, ça, le morceau de l'année, ça peut être intéressant. Ouais. Comme ça, on le fait vraiment par élimination, on est objectif. On est normal. Ah oui, ça c'est bien, ça c'est pas mal. C'est magnifique. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi y a pas l'album de Booba. Je vais me fâcher. Booba a sorti un album cette année, pourquoi y a pas? Booba est absent des débats, je te le dis gentiment. Booba est toujours dans tous les débats normalement. Lui, tu vois, c'est qui lui? C'est un grand chanteur lui. Non, ça me dit rien du tout. On l'a vu tout à l'heure, non? On l'a pas vu, il me dit quelque chose. Tu reconnais pas? Franchement, c'est non, ça me dit rien, c'est qui? C'est Caris. Caris? Non, c'est pas Caris. Ah bon? C'est Caris? C'est pas Caris. Caris, c'est pas comme bon, ça, allez, il on est. On fait le morceau de l'année, on fait le morceau de l'année. Non, c'était pas Caris. C'était Faris, c'était un humoriste. On aurait dit Assou Ikoto. On aurait dit Assou Ikoto, l'ancien mec de Saint-Etienne. Allez, c'est parti, on écoute le morceau de l'année. Là, faut pas qu'on se trompe par contre. Ah, je connais. Je sais que je suis un ghetto boy. Le sourire de ma mère, c'est ma best of joy. J'ai déjà entendu ce son sur un edit TikTok de toi où tu danses en slip. C'est absolument faux. À bientôt, on s'entend les slips, hein, c'est l'été qui arrive.
Ah, celle-là, elle est bien, quand même. Celle-là, je... Dans le laboratoire, on fait pas de faute éliminatoire. Le cœur en verre comme Terminator. Je les vois de loin comme les miracles. Les deux sont bien. Franchement, c'est carré, c'est carré. Laboratoire, Ravus, il est corda. Alors, ça, c'est un choix compliqué. Mais écoute les deux. Je suis complètement corda. Casanova. Casanova. Attends, ça va démarrer, hein. Ah, ça démarre. C'est beau, ça, tu vois, c'est la musique qu'on va écouter quand on va aller en vacances ensemble. C'est pas au courant. Fais tes bagages, on maîtrise la mélodie qui voyage. Je ne répondrai plus à tes messages. Ah, mais je le connais, à droite, c'est Soul King. Ouais, j'ai déjà vu Soul King. Ah, mais je la connais, ça, Casanova. La musique. C'est genre. J'ai pensé tout l'été. En vrai, dans ce qu'ils font, ils sont forts. Ça, c'est un deuxième son, c'est Gazo encore, mais avec Us l'enfoiré cette fois. Tu connais Us l'enfoiré un peu? Absolument pas, ma biche. Oui, gentiment. Gazo, ça me dit quelque chose par contre. Ah, Gazo, il est sur tous les fronts. C'est simple, si tu veux que ton son, il se vende, t'appelles Gazo. Ouais. Donc si t'as un jour, t'as envie de faire un. Tu me dis, par contre, le feat, c'est 100 000 euros, donc je sais pas si t'es prêt à les sortir. J'peux... Non, ça va aller. Je le connais. Je te laisse les sortir, toi, t'es blindé. Vu la bagnole que tu viens d'acheter, c'est bon, tu peux le sortir. Toi, ta bagnole. Toi, t'as acheté une bagnole, t'as cru qu'on allait pas te poser des questions, mais tu veux pas nous dire ce que je t'ai acheté. Mais les sièges, ils sont bons. Je sais reconnaître au siège. Ah, ils sont seulement les sièges. Ouais, ça doit être ça. Je te mets le refrain et tu me dis ce que t'en penses. Et après, je vais te faire écouter un autre truc de la même musique, mais quelqu'un d'autre qui la chante. Et tu vas me dire si tu préfères celle-là ou l'autre, ok? Ah, elle est connue celle-là. C'est celle de ta meuf là, c'est celle de ta fille là. Exactement, c'est pas ma meuf. Je suis pas à son goût, comment mais. Fougnasse. Je suis pas à Angèle. Son goût, exactement. Et Angèle, en fait, enfin, c'est un robot qui a sorti la musique et elle a fait 10 millions de vues. Tout le monde écoute cette musique parce que c'est vrai qu'elle est très bien faite. On dirait vraiment que c'est elle qui chante. Écoute. Si mais limite, ouais, celle-là est mieux. Qu'est près du cœur. C'est pas mal celle-là. Ça, c'est Angèle qui chante. Non, c'est une IA. C'est un robot, Ravus. Et la vraie d'Angèle, l'original, c'est quoi? Bah, y'a pas de vrai. En fait, là, c'est un robot qui chante. Ah, d'accord. Ah, j'avais rien compris, comme d'habitude. Moi, je pensais qu'il avait vraiment sorti cette musique-là. Eh non, c'est une IA, exactement. Ouais, je sais, tu peux faire ça avec tout le monde, ouais. Oui, je sais. Oui. Mais ça, si, c'est bon, j'ai compris, je suis normal. Donc, on choisit, juste pour l'IA, on choisit le son de. Là, fais attention à ce que tu choisis. Hein. Fais attention. Écoute. Ça charge. Ça charge. La connexion est bonne, hein. La connexion est bonne, mais bon, ça devrait pas tarder. Ça, le pire, c'est quand ça t'arrive sur une vidéo de cul. Oh, ça arrive plus, on a tous la fibre. Mais toi. Bon, alors attends, je te fais écouter l'autre, vu qu'on n'a pas, l'original. J'ai câblé pour toi, sans inter- tu reconnais ou pas? Baby, c'est quoi le titre original? Comment ça déjà? Le titre original c'est... Mais c'est de ton époque. C'est quoi le titre original? Ouais, c'est mon époque, ouais. En vrai, c'est pas grave parce que ça a bugué, ouais. Mais comme je vais voter pour Bolide Allemand, tu comprendras après, ils vont me la remettre. Ouais, bah ça. Alors, je te fais écouter celle-là et tu me dis. Vas-y, mais bon. Putain, demain c'est loin, je navigue entre le mal et le bien. Entre galères, c'est pas mal. Des hauts, des bas, des bas, des biens. Mais c'est pas mal. Faut tout ce qu'ils me disent, qu'on sait. Merde! Ah pardon, j'ai pas écouté l'autre. C'est pas grave, alors celle-là... C'est pas grave. Pas de toute façon, moi je suis PLK de toute façon. Ça, tu vas me dire si t'aimes bien, c'est la chanson que toutes les meufs écoutent, ok? Toutes les meufs écoutent ça? Ouais. Ouais, c'est pas mal, on dirait d'Adju. Je te mets le refrain et Kimenes. Tu sais, c'est maintenant. C'est ça, toi, que tu chantes. Pas mal. C'est dommage mal. Pour mon ex, j'étais le chouchou de son passé. Parce que toi, t'es un vrai lover. Du coup, on choisit celle-là ou on choisit celle-là? Celle qu'on a écoutée tout à l'heure, Thierry. Bah là, c'est une meuf toute seule, l'hôtel, ils sont plusieurs. Donc, c'est pas pareil en vrai. Donc, on choisit qui? À droite. Ok. Alors, écoute-moi ça. Écoute-moi ce miel. Imagine-toi en train d'aller à la salle avec cette musique. Hein. Putain, j'ai du mal, la salle, c'est fatigant. Puis. Volume, je monte à fond. Grosse voiture allemande, démarrage, je te mets à l'amende, vends ta femme. Après, celle de tout à l'heure, elle était trop bien, moi, PLK. Dans le bendo avec le boss, regarde la frappe, ça vole des tours. Je veux pas être ami avec eux. Il manque de l'autre, donc moi, je suis pas ami avec eux. Hauteur, c'est pas hybride, c'est fait 12. Moi, je préfère l'autre. Pourquoi? Je peux pas dire ça, SDM. C'est un ami, SDM. C'est un ami. Ah, c'est SDM. Le mec qui est dans le truc avec son contrôle. Bah oui, mais évidemment, c'est lui. Bah oui, c'est lui. C'est mon gros canard. Évidemment, ça aurait été lui, j'aurais dit oui tout de suite, je suis normal. Bah oui, t'es normal. Alors, on va prendre ça, Yann, quand même. Désolé, mon gros canard. Bolide allemand tous les jours. Mais après, des fois, tu peux dire que la musique de l'autre, elle est bien aussi. Non, je suis objectif. Bolide allemand, c'est le son de l'année. C'est le meilleur son qui est sorti, moi, je suis d'accord. Je l'ai écouté 800 fois, cette musique. Après, c'est sûr que quand t'écoutes
écoutes bolide allemand dans un Clio 2, c'est moins marrant. Tu rigoles moins. Quand tu écoutes vraiment dans un bolide allemand, ça, ça a une saveur particulière. Demain, Nocif ou Cyan. Ça, Nocif, elle est pas mal en vrai. Hein. Méridien, je connais pas. Écoutons. I was outside. Ah lui, il est pas français. Girl, a false car, was 21. Non. Ah, c'est son année ça? Ouais, elle est pas mal quand même. Hein. C'est dans son. Ah, ouais, pas français. Mais oui, je connais. Mais oui, je connais. Bah oui, si, elle est bien celle-là. Elle est bien celle-là. On prend celle-là, elle est bien. Alors, on reprend celle-là. Deux fois d'affilée. Calcul des votes. Calcul des votes. En mode top 3. Attention. Ah, comme c'est bizarre, bolide. Ah, bah c'est ton pote qui est premier. Oh, mais quel hasard. Ah, ouais, bien. Quel hasard. Après, c'est le son de l'année. J'aurais pas pensé. Bah, c'est le son de l'année, c'est pas ma faute. Ah, oui, les gars. Là, dans toute la liste, c'était le son de l'année. Hein. La flamme de non, l'artiste la féminine. Artiste féminin. Éloche. Quoi? Éloche. Quelle avelle honte. Oh, putain, magnifique. Alors, on va faire la cover. On va faire la cover de l'album de l'année. Comme ça, là, c'est pas musicalement, c'est visuellement. Directement. Alors. C'est quoi la cover? La cover, c'est ça, là. C'est ce que tu vois. La jaquette. C'est la pochette. Exactement. La jaquette. La jaquette. Excusez-moi, Twitch, jaquette c'est une pochette. Hein. Soyez normaux, commencez pas. Exactement, on choisit ouais. Des pochettes. Après, citer de la jaquette, c'est autre chose. Elle est pas mal celle-là. C'est orange ou rouge là. C'est orange et rouge. C'est rouge en haut et orange en bas. Moi je préfère. Bah, les deux c'est orange. Ah, je sais pas en vrai. Les deux sont bien. Les deux sont bien. Moi je préfère à gauche. Par contre, là je te dis gentiment. Ouais. C'est dit à droite. T'as pas la pêche. Toi, je pense que le jour où t'auras 100 000 subs, t'auras les dents en or comme ça. Ah ouais? Ça, c'est vraiment... C'est pas traficoté, ça? Ouais, oh, je pense qu'il y a un peu de traficotage. Bah après, à droite, ils ont juste été pêcher un poisson, quoi. Donc c'est pas non plus... Ouais, mais c'est la nature. Ouais, mais c'est moche, à gauche. Ouais, donc on préfère la nature, t'as pas tort. C'est une fille ou un homme? Alors, celle-là, elle est pas mal. Tu vois, c'est en fait, tout ouais. Simplement, un délit de fuite. Elle est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Après, à droite, c'est quand même un chameau. En fait, non. Ouais, bon, dis-moi, okay. Un délit de fuite en image arrêtée, ça passe. Quand l'image n'est moins arrêtée, ça peut être moins marrant. Ouais. Mais à droite, c'est vrai que c'est quand même relativement inquiétant. C'est un chameau? C'est un chameau cheval? C'est quoi? Un chameau, le mec, il a pas de tête. Ah, moi, il a pas de tête. À gauche, il a pas de tête, l'autre, c'est un chameau noir. Moi, je préfère à gauche, les gars. À gauche, c'est ça pas mal. Les chameaux noirs bah, je crois pas que les chameaux noirs, ça existe. Hein. Je suis normal. Bah, il est noir, le chameau, là, non? Alors, la fève ou Jaja et Dinaz? Désolé, mes lunettes, c'est pas possible. Je te dis gentiment. Donc là, on va prendre le clair. Ils sont dans un sous-sol. En fait, ils sont dans les catacombes de Paris, je crois. Allez. Alors, Stratos, Kekra ou DNK? Alors, il faut que tu saches, tu vois sur l'image là? On dirait de la neige. On dirait de la neige. Et eh ben. C'est Nockstag, donc l'Everest. Non, c'est Rebeu des Terres. C'est Billy sur la jaquette. Ah. Donc, nous, okay. On connaît Rebeu des Terres, on connaît pas Yana Kamura, donc on va mettre celle-là. On est normaux. Ah là, tu vois, les deux. Ah, à gauche, en franchement, vrai. Franchement, moi, j'aime bien. Moi, je trouve qu'elle est belle à gauche. Moi, je trouve qu'elle est belle. C'est vrai qu'elle est stylée à gauche, il y a un truc. La nature, non, on va reprendre Kekra, moi, j'aime bien. Kekra aussi. À gauche. Alors, tu préfères celle-là ou la neige? Ah, moi, c'est ton truc à toi. Moi, je te dis que moi, je prends à gauche parce que la pochette est belle. Après, toi, tu peux prendre l'autre comme c'est Robe des Terres. C'est vrai. On a tiré, je m'en rends. C'est vrai, t'as pas tort. Ah, okay. Oui. Ah oui, c'est ton truc. Là, par exemple, tu prends celle-là. Ouais. Là, tu prends à gauche. Là, on reprend à droite. Ouais. Hey, là, ça va être au coude à coude. Forcément, ça va être celle-là. Ah, c'est serré. C'est au coude à coude. Là, à droite. Là, franchement, je préfère l'autre, moi. Là, je préfère à droite. Je préfère à droite. Ouais. Et ouais, en fait, c'est Rebeu des Terres sur la pochette. Qui s'était déguisé en Kekra, en fait. Lequel sur lui, la neige. Non, lui, c'est pas Rebeu des Terres. Ah, d'accord. Bon, c'est pas les covers du siècle là, qui nous ont fait cette année. Je pense qu'on peut mieux faire. Mais ça, c'est après. C'est plus tard. Je suis normal. Je préfère Yana Kamura. Alors. Attention. Okay. Ah, non, ça va être l'autre. Ah, c'est Rebeu des Terres. En mode Rebeu des Terres. Moi, j'en ai quand même la première. Elle est quand même beaucoup plus belle. Si on parle juste de pochette. Après, l'autre est belle aussi. Après, on sait pas exactement où il est. Bon, c'est bon, on a fini avec tes votes. Ouais, c'est bon, on a fini. En mode voting. Ouais, c'est normal. Bien parce que ça permet de découvrir des sons, moi qui connais pas. Voilà. Et demain, quand tu iras à la salle, en vrai, peut-être tu vas t'envoyer. Pas forcément, mais ça m'a permis d'apprendre 2-3 sons qui étaient pas mal. T'es normal. Voilà. Tu connais un peu mieux le rap français.